on est reparti les amis. Eh bien salut à toutes et à tous, Slam Company, les 16h. On se retrouve pour le cinquième épisode de notre incroyable aventure sur Planet Crafter avec Ludo. Coucou. Oh. Salut, comment tu vas? Mais ça va, ça va bien. Eh, ça bug un peu là. Je suis bugué, je peux plus bouger. Ah c'est bon. Waouh, il me fait peur ce vaisseau. J'ai des petits... Alors, par contre, attends, s'il te plaît, viens juste. Attends, reste là où t'es, j'arrive. Juste, regarde-moi cette vue. Bah c'est assez mignon, voilà, c'est un endroit où t'as envie un petit peu de faire un date. Mais c'est quoi cette planète qui est littéralement collée à nous, quoi? Voilà, y a pas de gravité. Bon alors attends, ça c'est pas un vaisseau qu'on peut visiter, donc c'est rien. Mais je pense que c'est... Ouais, y'a rien, je pense. Il faut aller sur le gros direct. Tu te pas un peu de ma gueule? Oh, je passe à travers. Y'a juste rien sur ce vaisseau. Ouais, ouais. Oh, non. Faut qu'on aille sur le gros, là. Viens. T'es où? Alors, je suis là où on était ensemble pour le date. Moi, je suis juste derrière l'habitacle. Ok, mais je suis là, t'inquiète, j'arrive. J'arrive, bichette. Bon, vous l'aurez compris, les amis, aujourd'hui pour cet épisode, exploration du vaisseau inexplorable. Juste me mettre full oxygen. Ah ça, oui, on part clean. Je me refais une bouteille parce que dans le vaisseau, il n'y a pas d'oxygène. Et moi, je veux de l'eau, frère. Bon, allez, go. Tiens, tu veux une bouteille? Non, t'inquiète, tu me passeras si jamais c'est la merde. Alors, attends, par contre, comment on rentre? Eh ben, ça c'est la bonne question, en effet. À mon avis, c'est. Je sais pas. On va. Ouais, on va dans la lave et tout, mais c'est immense! Si c'est juste décoratif, par contre, je pète un plomb. Hein. Non, là, regarde! Là, ah, tu gères. Trouvé. Bon, c'est un peu bancal, mais. C'est très bancal, ouais, en effet. C'est. Là, c'est que des postes de commande. Bon, c'est là. C'est le vaisseau de Norman fait les vidéos ou. Mais. Ok. Et on a toujours. Ouais, mais alors celui-là il va être immense par contre. Là il y a un coffre. Ah, micro-puce. Allez, let's go. Ok, parfait. Bon, les minerais on va pas les prendre parce que bon, il y en a partout dehors. Ça c'est vraiment bancal. Tu sais même pas ce que tu peux détruire ou non. Ouais. Shanghai, uranium. Bon, la graine, okay. L'uranium prends-la en vrai parce que c'est assez. Ouais, je l'ai pris. Encore une micro-puce. Encore deux graines de Shanghai là. Vas-y, tu sais quoi, de toute façon on se sépare, y'a rien de mieux en vrai. Hein. Là. Moi je prends juste l'alu parce que l'alu c'est un peu chiant à trouver. Pas de soucis. Bah, l'aluminium, bref. Ah, j'ai une échelle. C'est chiant, oui et non, attention hein. Aubergine, on peut laisser. Ouais. Je monte. Vas-y, monte. Oh, moteur de fusée, j'ai un moteur de fusée. Ah, tu l'as même pas vu. Non, du tout. Excellent. Graines de Shanghai, bon j'en ai déjà 5 sur moi, on va pas la prendre. Mais c'est immense. C'est ouais, c'est la merde. Va falloir faire 40 allers-retours pour Oh, j'ai une graine d'arbre. Non. Graine d'arbre linifolia, multiplicateur d'oxygène plus 125%. Tu rigoles. Non. Je rigole pas. Ah oui, bah oui, c'est pour les sphères là, les dômes. Oh. Ok, je viens de trouver un réacteur à fusion. Le. Pff, oh là, je sais pas ce qui se passe. Graine de champ. On est où là? Je crois qu'il y a, y a plus rien. Regarde là, viens. Regarde, ouais. On peut foutre quelque chose dedans, mais je sais pas ce que c'est. Genre de ouais, neutrons, mais ça on fera chez nous, c'est le nucléaire. Ok, bon bah. T'inquiète, y'a plus rien en vrai, c'est quoi cette merde hein. Si, mais on est monté, il faut trouver l'échelle qui monte ou celle qui descend. Mais l'étage du bas, là, regarde. Mais ça revient même, c'est la même. Ouais, mais on a pas tout fait en bas. Si. Bah, tu verras. Une petite bouteille. On a tout fait en bas, gros. Mais non, regarde, on peut enlever. Là derrière, regarde, j'ai enlevé un truc. Donc on peut accéder là derrière. Moi, je crois que c'est un bug. Hein. Moi, je crois que c'est un bug. Bah, attends, on est monté là-bas, mais pas ici. Si. Mais ça revient même. Je suis monté d'un côté. C'est une boucle. Non, c'est impossible qu'on ait tout fait. Je mais te qui... jure. Il est immense le vaisseau. Bah, là, ah, regarde. Voilà. Là, tu as raison. Allez. Ah. Le coffre. Oh. J'ai eu un truc. Qu'est-ce que t'as eu? Ah non, c'est ça là. Mais ça, je sais pas ce que ça demande. Hein. Déconstruction T2. Mais oui. Parce que ça doit filer ces trucs. Il y en a partout. Il faudra faire les puces de déconstruction T2. Ouais, c'est là, vrai. Ça remonte. Ouais. Hop. C'est où? Là, regarde, là, voilà. Ah bah non. On est de retour. Oh, non, ça sert à rien. Ah bah voilà. Là. On peut pas passer là? Non. Derrière, on peut pas. On peut pas. Donc, je refuse de croire qu'il y a que ça. Bah non, mais il y a d'autres vaisseaux de toute façon. T'inquiète, je suis un peu claustrophobe là, hein, je vais pas te mentir. Voilà. Ça c'était un vaisseau, donc je pense que l'autre à côté. C'est... Ouais, ça me semble petit pour la taille du truc, mais. Je suis pas sûr. Bah, hein. Celui-là on peut pas rentrer dedans, je crois, parce que celui-là, regarde, tu le vois derrière et il. Allez!
Regarde, il est creux, lui. Y'a rien. Mais c'est pour ça. Donc, tu vois, ce qu'on a exploré, l'autre partie, c'est que visuel. Hein. Après, derrière, y'a peut-être une autre entrée, tu sais. Genre, c'est peut-être en deux parties, je sais pas. Je suis pas sûr. On peut y aller. Attends, j'ai plus d'oxygène, moi. Je vais aller à l'habitacle, vite fait. Ok. On va prendre un petit coup de... Bah, j'aimerais bien, mais je suis bloqué. Oh, putain. Alors oui, les vaisseaux, c'est très, très, très... Ah bah écoute, je peux même pas faire le tour du vaisseau, je suis dégoûté, il y a un mur invisible. T'es full bloqué ? Ah c'est bon, t'es là. Non mais du coup j'ai réussi heureusement à faire demi-tour mais donc ouais. Bon, j'ai quand même eu deux micro-puces moi. C'est pas mal. Enfin, je sais pas. C'est... Bah moi j'ai eu un moteur de fusée gros. Mais vraiment en plus, c'est pas une blague ? Ah bien sûr que non. Mais... Il est où ton moteur ? Bah... À attends, quoi ça ressemble ? Je te mets là, regarde. Ah oui ! Moteur pour fusée. Tout et à fait. Genre on peut faire des fusées. Ah bah oui, on peut faire des fusées, c'est vrai. Et oui mon gars. Mais c'est que c'est... On va se régaler. Bon alors viens, on va prendre tout ce qui est important. On rentre. Bah ouais, avec tout ce qu'on a là, toutes les graines et tout, tout. Allez, le truc, c'est... C'est parfait. Franchement on a déjà... Et on a la graine de courge hein, qu'il faut qu'on plante. Oui et puis alors la graine ça, de... La graine de Nulna 300% hein, mon gars, hein, ça régale. Hein. Ah ouais. J'ai une 300 bah, et une 200. J'ai retrouvé... Ouais pareil, j'ai une 200. Et après j'ai 200. Parfait. Ah ouais mais là l'oxygène elle va partir en flèche. Ah ouais non mais là on se met super. Allez. Ah par contre niveau bouffe je sais pas si je vais pouvoir faire le chemin retour, je t'avoue. Ben faut espérer. Je suis vraiment critique. Si vraiment c'est la merde gros, faut absolument que tu te mettes dans un habitacle. Ouais. Voilà. Et que je pose un coffre surtout, pour pas perdre l'inventaire. Oui c'est vrai. Oui parce que les amis on a découvert en off, enfin en tout cas on a surtout confirmé cette thèse. En fait quand on meurt, il y a un coffre. Ouais mais on va le laisser, tu sais quoi. Oh non, je l'ai ouvert. Trop tard. Il y a de la bouffe. Ouvert, c'est pas grave. Oh, toi niveau bouffe, t'es bien ou pas? Je suis dans la merde, et toi? Ah, moi je suis, on va dire... Ouais, non, la merde aussi. Bon, on prend mais on mange pas. Vas-y. Attends, je vais lâcher le fer. Hop, je vais prendre ça. T'as une aubergine ou pas? Voilà. Non, j'ai plus rien, mec, niveau bouffe, j'ai plus. Alors tiens, prends mon aubergine. Ah, mais t'as... Ok. Bah alors je mange l'aubergine et mange la ration, vas-y. Voilà, c'est bon. Yes. Donc, on peut rentrer. Bah j'espère. C'est pour rentrer. Oh ton aubergine m'a sauvé la vie. Oh, ça régale. C'est bien par là hein. Oui. Ouais. Allez. Ouais. Faut qu'on traverse la grosse arche là. Ouais. Ah oui on va passer dans la grotte peut-être. Je sais pas si c'est une bonne idée en vrai mais... Bah je pense qu'elle a l'air de descendre donc en vrai. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah oui non ouais on va peut-être pas alors. Moi bon, ouais. J'ai pris 3 d'obsidienne. Au cas où on aura un craft à faire. Mais y'en a partout en fait. Ok d'accord c'est pas du tout rare. Comme dit faudra faire des balises hein t'as raison. Ouais, ouais, ouais. Je trouve les minerais d'obsidienne là, les grosses roches. Ouais. Avec les reliefs, ils sont super bien faits, je trouve. C'est magnifique. Hein. Ça, il y avait pas à l'époque. Et non. Franchement, ils ont super bien géré le rendu. Clairement. D'ailleurs, tout ce biome en fait, il existait pas. Ah oui, non, mais c'est clair. Ce biome, il existait pas du tout. Ah oui, t'as raison, ça descend, on va pas y aller. Ouais, non, c'est pas le bon. Vaut mieux pas. Mais tu vois là, une petite. Attends. Non, non, on perd pas de temps. Non, mais je sais pas ce qu'il faut. Il faudra qu'on foute des balises, tu sais, à chaque lieu important. Pour tout qu'on à sache fait. Par où c'est. Complètement, ouais. Complètement. Genre, ouais, entrée de grotte, vaisseau, base. Je suis carrément d'accord. Mais il y a un autre vaisseau là-bas. Mais non, c'est celui qu'on a fait, on l'avait déjà fait. Ah, oui, d'accord, ok, je me suis mal orienté. Okay. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'on a eu l'habitude de faire ça en voyant pas grand chose et là on voit à perte de vue. Ah ouais. Alors, forcément, ouais, c'est déroutant quoi. Ah par contre vivement le jetpack hein parce que oui. Et les bottes d'agilité. Oh y'a un coffre. Ah Nico. Bon on va le laisser en vrai. Y'a un coffre en or ici là juste ah, là. Ah ouais un coffre en or laisse le. Oh grave. C'est bon à savoir. Là derrière c'est rocher. Ok. Celui-là faudra qu'on l'ouvre quand on aura beaucoup plus de terraformation. Clairement ouais. On va avoir des trucs de ouf hein. On aura peut-être une poupée gonflable. C'est vrai qu'on se sent seul sur cette planète. Bah ouais hein, on a le droit de rêver hein. Et après il y a cette grotte aussi là à gauche qui m'intrigue. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui nous intriguent sur cette planète Ludo. Oh là 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 là, mais il y a trop de trucs à faire mais oh. Il va y avoir 150 épisodes. Oh bah avec plaisir. Ah bah oui, complètement. En vrai, ça va être une longue série, je pense. Parce que là Alors, niveau d'oxygène, je suis un peu dans le caca, mais au pire, on a des bouteilles hein. Ouais, moi j'ai pris une bouteille hein, et franchement, je pense pas arriver jusqu'au à l'habitacle là-bas. Oh, j'ai cru que j'avais plus de bouteille, j'ai eu trop peur. Oxygène critique. Allez hop.
Bon, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir trouvé un coffre en or. C'est le premier. Ah, c'est clair. C'est vrai qu'on n'a pas eu de coffre en or encore, ouais. J'aurais bien voulu récupérer de la glace. C'est vrai. Après ça, on peut en trouver assez facilement. Mais bon, ouais. C'est vrai que ça va vite disparaître parce que l'atmosphère se réchauffe, quoi. Mais après, ça, limite, c'est pas grave. Limite, je préfère que ça se réchauffe vite et qu'on ait de l'eau liquide. Ouais, mais comment on se fait de l'eau après, une fois que ça a fondu la glace? Bah après, on va débloquer des trucs pour extraire l'eau. Je sais qu'il y a un gros récolteur d'eau, mais ça me semble c'est pas mal assez tard, quoi. C'est pas tout de suite. Donc, entre temps, je sais pas ce qui... Ouais. Voilà, tempête de sable. Ouf. Ouf. Attends, regarde dans plan. Là, regarde, ouais, c'est à 875 000 KTI. Oh, bah c'est bientôt. Donc ouais, oui, bien sûr. Ah bah il y a toutes les... Ok, il y a tout qui a poussé, donc je vais enlever ça. Et je vais mettre la courge. Hop. Parfait. Là, va falloir refaire des... Ah oui, il faut refaire des végétubes et tout, là. Ouais, mais on a pas de glace. Putain... Ok, je vais ouvrir les deux puces que j'ai. Ouais. Hop. Oh ! Pas mal, ça, pour exploration. Torche T2. Ah, ça éclaire mieux, en fait. Yep. Et la deuxième... Satellite GPS. Pardon. Quoi ? C'est quoi, ça ? C'est nouveau, ça ? Bah ouais, je crois. Ça... Et c'est pas... Ça se crafte où ? Ça fait une minimap ou quoi ? Ça... Attends, ça se crafte pas dans... Quand tu fais A, il est pas indiqué. C'est quoi ? Wow, en gros, on a l'énergie, c'est bon. Il se passe trop de trucs là. Oh là là, c'est attends, dingue. Attends, faut que je me vide, tu m'excuses. Alors, complètement dingue. Bon, on a du fer. Et ça, c'est... Par contre, le casier, ouais, il est un peu plein là, le problème. Ouais, va falloir. Bah là, il faut. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Attends. Attends, dans le tissu, on va faire slash opsi. Voilà. On va agrandir ici titane cobalt. Titane, cobalt. Regardez, on va faire un truc arrondi ici, là. Magnifique, c'était pas dans le sens que je voulais, mais c'est pas grave. Tu veux faire quoi, ici? C'est une blague. Oh! Non, mais c'est pas comme ça que ah, je veux. Ah, non! Bah, fais-le ici, viens ici. Fais-le ici, comme ça part vers là-bas. Voilà. Ah, voilà, regarde. Eh, mais c'est magnifique. C'est mais top. C'est trop bien. Et là, on va mettre un casier, donc... Tu veux mettre un casier où? Ah, ici. Comme ça. Voilà. Et on met quoi? Eh ben, ouais, on va vider ce. On va mettre par exemple l'iridium. Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Iridium. Et uranium en attendant, en tant qu'il y a de la place, on peut en profiter. Hein. Ouais, bien sûr. Uranium, iridium. Allez hop. Voilà. Et là, tout de suite, ça va déjà mieux. Ura, iri. Magnifique. Et voilà. Du coup. Ah attends, il faut une barre d'uranium. Comment on fait ça? On a? Pour le réacteur nucléaire. Voilà. Ah non. Ah oui, bah oui, il faut qu'on fasse l'établi avancé en fait. Alors oui, go faire l'établi avancé. C'est ça qui va nous débloquer. Alors attends, 3 alu. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Titane, magnésium, silice. Titane, magnésium, silicium. Alors ça c'est assez gros je crois. Tu veux le poser où? Bah ici, ça aurait été bien de faire l'établi. Parce que là il y a les rochers derrière, hein, derrière ce mur, donc ça okay, va pas agrandir par là, tu vois. Vas-y. Ah oui, c'est assez gros, effectivement. Ne fermez pas les yeux les enfants. Ok, il est pas assez collé. Désolé, je l'ai enlevé. De toute façon, on n'aura pas assez là pour faire les barres de... En fait, il en faut 8. C'est mieux. 9. Il faut 9 uranium. Ah oui, d'accord. Dommage. Oh, regarde! Jetpack. Il faut 2 moteurs de fusée. Au début, sac à dos T4, réservoir T4. Ah, bien, j'avais pas vu, ouais. Ah, bah, sac à dos T4 en prio. Et... Ah ouais, et il faut pas grand-chose, il faut que de l'alliage. Et on en a... Oh. Ah, peut-être pas assez pour tous les deux. Non, mais on peut se faire chacun un truc. On sait quoi, le sac à dos ou le réservoir? Sac à dos. En vrai, sac à dos, hein, parce que le réservoir. Ah, on attends, t'as 3 super alliages sur toi? Ouais, j'en ai 3. Ah, bah c'est bon alors, on a chacun assez, ok, cool. On peut chacun se faire un sac à dos, ouais. Oh, magnifique. Ah oui, bah ça fait plaisir là. Ça. Et du coup, le moteur de fusée sert au jetpack, d'accord. Oui. Bah, et on peut se faire un jetpack. Moi, que 1, mais pas. Ah, que 1. On peut s'en faire que 1. Parce qu'il nous reste. Ah mince. Ouais, y'a plus d'alliage. Non, mais on a. Non. Mais on a. Ah, c'est l'alliage qui manque. Ah mince. C'est l'alliage qui manque. Après, c'est en bas du cratère. Hein. En bas du cratère, on peut en trouver hein, facilement. Oui, c'est vrai. On fera ça tranquille, t'inquiète. Mais on fera ça, oui. On voit le jetpack, c'est pas encore. Ce que je voulais me faire, c'était le là-dedans, là, dans l'établi level 2. Les trucs d'agilité. Ok, papa, faut de l'alliage. Et.
micro-puce, il faut du super alliage. Bon bah on peut pas. Ouais, bah ouais. Attends, ça se craft le super alliage, on est con. Bah oui. Oui, mais cobalt, il faut fer, magnésium, silicium, titane, alu. En fait, il faut toutes les ressources. C'est presque plus chiant quoi. Autant aller chercher le super alliage, ouais, tout à fait, absolument. Exactement. Je pense qu'on fera ça tranquillement. Là, ce qu'il faut qu'on fasse réellement, c'est des végétubes. Mais pareil, il faut de la glace et tout. Faut de la glace. Bah bien, on va en chercher vite fait. Il y en avait juste là-bas. Je vais aller en chercher. Vas-y, gros, j'arrive. Avant que ça fonde. Bah, c'est par là où on est venu en fait. Arrête de dire avant que ça fonde, on n'y est pas encore. Ouh, bah, à mon avis, c'est pas loin. Hein. Parce que ciel bleu comme ça. Ouais. Ouais. T'inquiète. Allez, je vais aller par là. T'es allé à gauche de la base? Ouais. Ok, je vais à droite. Par là, on est allé avant. Bah, à droite, y'a rien en vrai, si? Bah, ça va peut-être pop. Ah. Ah ouais, non, là, y'a plein de glace partout, là. Magnifique. Ouais, grave, moi aussi. Si, si. J'en ai déjà 3 sur moi. Ah ouais, ben moi, j'en ai... Oh là là. Ouais, t'en as au moins... Waouh. Oh, l'enfer. Allez. Ah, oh, c'est beau ce ciel bleu, ça fait plaisir. Ma carrière. Attends, avant on avait un ciel bleu juste, et là maintenant on a des nuages. On a des nuages. Putain, j'avoue, j'ai ma passion. Et là tu peux, en effet, je pense que t'as le droit de le dire, c'est que l'eau n'est pas bien loin. Ah bah, qui dit nuage dit pluie. Voilà. Je dis ça, Tout à fait. On n'est pas des physiciens, mais on n'est pas non plus des teubés quoi. Hein. Et on n'est pas né de la dernière pluie, hein. Ah bah, en parlant de pluie, mais... Magnifique. Bon bah j'ai que dalle de mon côté. J'ai quasiment un inventaire plein de glace. Ah bah écoute. Ça me fait plaisir de servir à rien pour une fois. Voilà, magnifique. Et ouais. Ah, on pourra peut-être crafter un congélateur qui fera de la glace. Magnifique. Un congélateur qui fera de la glace. Je pars. Ah mais si, si, tout à fait. On va pouvoir fabriquer. Non, on va pouvoir fabriquer de la glace. Tu déconnes. Bah, de toute façon, la glace. C'était une blague, hein. La glace, on en a besoin, de toute façon, pour faire des crafts, pas seulement pour boire, hein. Ouais, donc il y a forcément une machine qui fabrique de la glace. Bien sûr. Faut foutre de la flotte et. Ok, bon ben. Magnifique. Mais c'est ça, mais oui, mais c'est ça. Mais bien sûr. Mais je m'en souvenais même plus. Putain, je dis des conneries et en plus, c'est utile. Et ouais, t'es un putain de génie, mon grand. Voilà, donc je vous montre l'ancienne base, en gros, on a laissé ça et tout. Et puis, en vrai, on pourra mettre plein de végétubes là-dedans, cachés en mode bordel. Avec toutes les graines de l'Irma qui ne servent à rien. Ouais, parce qu'en vrai, Ludo il me disait ouais, on va tout enlever, on va enlever les foreuses, les éoliennes, les éoliennes on les a enlevées. Ouais, j'aime bien quand c'est clean, tu sais, genre quand il y a rien. Mais sauf que truc, c'est qu'on s'en fout de s'étendre, au contraire. On va... Parce que si t'imagines, oui. On met à côté de notre base toutes les foreuses, c'est-à-dire que dès qu'on est dans notre base, on entend. Oui, je suis d'accord. Et franchement, déjà nous supporter nous deux, c'est compliqué, mais alors si en plus il y avait les foreuses. C'est vrai que c'est un peu bruyant quoi. Ah, c'est bon. Bah viens, je vais tout mettre dans le casier là. Boum. Ah oui. En effet. Alors. Ah oui. Je vais aller faire un petit tour en bas du cratère pour voir si je trouve quelques super alliages. Histoire de pouvoir faire quelques petits crafts. Ok, en gros ça donne juste de l'oxygène. Ouais. Y'a rien à lui mettre et y'a la croissance à 4%, 5% et quand ce sera à 100% y'aura de l'herbe. Allez, salut. Mais du coup ça crache de l'eau, ça fait quelque chose? Tout à fait. D'accord, donc c'est juste tu poses et y'en a de l'herbe quoi. C'est ça, c'est trop excellent. Bien. Excellent. Bah pour le coup, oui c'est bien. Là. Pour le coup. Ah y'a quoi, des barres d'uranium là en bas? Oh. Des barres d'iridium, pardon. Ah. Qu'on a laissé dans le cratère, enfin dans l'habitacle. Ce qu'il faudrait, c'est les trucs verts là pour le jetpack. Les trucs verts. L'uranium. Ouais. Non. Du vert, c'est de l'uranium. Non. Allez, salut. Je sais plus. Bah, seul truc vert, c'est de l'uranium. Après. Peut-être que je me trompe. Ah oui, l'uranium, tout à fait, absolument, oui, c'est ça. Ok. Bah dans la grotte, si... Ah mais non, on a tout pris déjà, merde. Comment on fait de l'uranium? Bah l'uranium, on peut pas fabriquer l'uranium, mais non. Non, je veux dire comment on... Oui, comment on en trouve quoi, enfin bref, t'as compris. Ah oui. Bah à part les grottes, je vois pas... Ah, j'ai trouvé un coffre qu'on avait jamais ouvert. Arrête. Micropuce. Oh, vas-y. Graines d'aubergine. Allez. Mais par contre, ça me fait chier là, ça commence à me saouler d'avoir que de l'aubergine.
Ouais, c'est vrai que le taux de loot et le taux de drop est assez rare. Clairement. Mais attends, on a trouvé du super alliage où? Dans le cratère? Ah bah oui, là, c'est bon. Oui, mais il y a du super alliage en vrai un peu, ouais. En fait, je suis allé à l'opposé parce qu'on avait déjà pris tout le super alliage qui était devant. Alors, il y a déjà de l'herbe qui commence à pousser, hein, mon frérot. Ah, j'ai trouvé une nouvelle... Ah non, il y a rien en fait. Allez, tu régales, merci. N'hésite pas... Ah si, une échelle qui rentre dans le sol. Avec un message. Oh, dis vas-y. Je pensais avoir trouvé le cratère météorite parfait pour construire ma plateforme de lancement. Mais attends, on l'a déjà lu ça, non? Ma plateforme de lancement, mais la visibilité est épouvantable. Aucune chance que je puisse lancer quoi que ce soit d'ici. Oui, on l'a déjà lu, je me souviens de ça, ok. Alors... Je suis juste... Mince. Ah, oui, mais c'est pas grave. Après, à partir d'un certain âge, c'est normal. Là, je vais bientôt mourir. On va fermer les yeux, on aime bien faire ça. De toute façon, c'est pas un souci si on meurt. Non, tu vas te reposer, c'est différent. Je vais me reposer, c'est ça, c'est pas pareil en effet. Et j'en profite du coup. Je sais, j'ai pris l'échelle en haut. Ouais. Et juste, je me balade, voir si, je sais pas, on voit un accès. Je vais pas avoir le temps, à mon avis, de voir quelque chose parce que je vais mourir. J'aurais quand même dû prendre une bouteille d'eau au moins. Oh. Ah oui, bon, bah, c'était pas fait pour être là où je suis, hein, clairement. Ouh là 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 là. Oh oui. Alors, le peu que je viens de voir. Oh, c'était la map de base! En gros, là où j'ai vu. Ouais. Là où j'ai vu, c'est le jeu que nous deux on connaît de la bêta. Ah bon? Là, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une partie de la map qu'on ne connaissait pas. Genre. Et de l'autre côté, c'est toute la map qu'on connaît. Mais quoi? Donc, ils ont quand même rajouté toute une partie. Enfin, toute une map en fait. C'est ça. Et on... Une map dans une map. C'est tout à fait ça. Mais c'est excellent. Ouais. Bon, j'ai le regret de te dire que j'ai trouvé que deux super alliages. Bon, mais c'est pas grave, ce sera déjà pas mal. Va falloir qu'on en craft, je pense. Ce sera déjà pas mal. Bah écoutez, les amis, on va s'en arrêter là, évidemment, pour cet épisode. Également. Yep. Puis santé, pas des yep. Bon, je suis pas là, mais je suis en train de revenir, mais bon. Écoute, l'essentiel, c'est que tu ne meurs pas. Je vous fais salut de loin. Salut de loin. Ouais, exactement. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. C'est le cas, n'oubliez pas le like et le commentaire, c'est la récompense. Et puis à mettre en commentaire, Ludo, il est trop beau. Oh, arrête, je vais rougir. Oh, mais je sais que t'aimes bien rougir. Bon, je suis perdu dans le cratère, hein. Je sais pas par où faut remonter. Non. Si, je sais pas, en fait, je fais le tour, mais je sais pas par où c'est pour remonter. Mais on a toujours pas fait la balise en plus, hein. Il faut que t'en fasses une parce que. Si, attends. On est trop con, on a tout ce qu'il faut pour faire. Et un habitacle, je vais me cacher là-dedans et espérer que c'est par là. Je vais faire une balise. Ouais, parce qu'on a. On a fait trois habitacles tout autour, du coup, ben, pour savoir lequel c'est pour remonter à la surface. Bah c'est pas celui-là, ok, je viens de faire tout le tour du cratère, pour rien. Mets-toi à l'abri. J'ai crevé de bouffe en fait. Ah merde, putain. Mais sinon remonte, peu importe où tu montes, après tu vas reconnaître en haut. T'es con? Bah ouais putain, mais je suis débile, oh mon dieu. Parce que tu montes, tu vois forcément. Ouais mais je sais pas si je vais avoir le temps de rentrer en fait. Bah ouais. Parce que j'ai plus de bouffe. À part c'est dans ce coffre, il y a un... Non, il y en a pas. Génial. Ah Ludo là, t'as pas eu un réflexe de survie là Ludo là. Là franchement, je suis pas fier. Hein. Aïe. Attends, je suis pas encore mort. Je vais te mettre une balise gros, et tu vas voir que t'es à l'opposé, tu vas être dégoûté. Je suis pas encore mort. Allez, bah mets-en une vite parce que... Bah oui, je veux bien. Allez, jamais là en attendant. Alors? Ok, je suis à l'opposé. Non... C'est génial. Oh lourd. Ah bah je suis mort, mais j'ai tout drop, normalement j'ai rien perdu. Ah ok. Alors attends. Allez, n'oubliez pas le pouce bleu et adieu. Allez, Ludo. Allez, salut. Salut.